La chèvre biscornue, Daphné, Shema, Elliot. Il était une fois un pays. Dans ce pays, il y avait une forêt. Dans cette forêt, il y avait un chemin. Et sur ce chemin, un lapin pressé de rentrer chez lui et de se coucher dans son lit. Il bâille. Oh, vite, mon lit! Quand lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose avec deux yeux rouges. Il y a quelqu'un? Dit lapin. Une voix terrible en répond. Je suis la chèvre biscornue. J'ai deux cordes très très pointues. Si tu t'accroches, tant pis pour toi. Tu finiras pour à plat plat. Lapin a peur. Il appelle coq son voisin. Coq, viens m'aider. Il y a une bête dans mon terrier. Et je ne peux pas aller me coucher. Attends, dit Coq, je vais la chasser. Les voilà tous les deux à l'entrée. Coq les ronde. Cocorico, sors de là, t'es pas chez toi. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue. Et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout raplaplap. Coq a peur et lapin pleure. Sur ses entrefaites, renard pointe sa tête. Renard, dit Coq, toi qui es malin, viens nous aider. Lapin ne peut pas aller se coucher. Il y a une bête dans son terrier. Les voilà tous. Alors, allons-y, dit Renard. Les voilà tous les trois à l'entrée. Renard chantonne. Oh, et la bébête sort de là et je te donnerai des cacahuètes. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi. Tu finiras tout rapaplat. Renard a peur, coq a peur et lapin pleure. Ours le poisson du coin passe par là. Une affreuse bête, où ça, où ça? Dit l'ours dans ses gros bisous. Laisse-moi faire, poussez-vous et regardez-moi. Les voilà tous les quatre à l'entrée. Ours brûle. Fousse la bébête, si dans 3 secondes t'es pas sorti, je te transforme en spaghetti. La voix terrible répond. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très pointues. Si tu t'approches, tant pis pour toi, tu finiras tout raplaplat. Ours ne fait plus les fiers à bras. Il a peur, renard a peur, coq a peur et lapin pleure. Pleure de plus en plus fort. Mon lit, je veux rentrer chez moi. Tout à coup, l'abeille est là, sur le chemin. Bonsoir, lapin. Bonsoir, Ourka. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une bête dans mon terrier. Personne n'arrive à la chasser. Et je ne peux pas aller me coucher, dit lapin. Moi, je peux essayer, demande la bête. Coq, renard et mousse rigolent. Les voilà tous les cinq à l'entrée. Abeille prend tout son élan et fonce tout droit sur Biscornu. Elle pique Biscornu. Elle pique les pattes de Biscornu. Elle pique les fesses de Biscornu. À l'intérieur, on entend oui. On entend aïe, on entend ouille, aïe, aïe. Biscornu crie. Drapeau blanc, je me rends à... Elle bondit hors du terrier.
oreilles du lapin, avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. « De rien, lapin, » répond l'abeille, « tout le plaisir était pour moi. »